Et salut tout le monde, ici Réa de retour sur Guacamélé pour la suite des aventures de Juan, qui peut, je le rappelle, switcher entre le monde des vivants et le monde des morts à volonté. Et nous étions en train de grimper un arbre. Et je sens que ça va mal se passer. Ou plutôt, ça pourrait bien se passer, mais à mon avis, il y a un bonus par là-bas. On va réessayer. Presque. J'ai pas fait mon saut comme j'aurais dû. Un peu de mal avec les wall jumps de ce jeu. Et ça me joue des tours. Je suis à peu près sûr qu'il y a un trésor ou un coffre, quelque chose par là-bas, donc faut que j'y aille. Au bon moment. L'exécution est simple en concept, mais. Le problème, c'est plus d'arriver à le faire. Voilà, vous voyez, sans se prendre le... Arriver à le faire sans se prendre le plafond, sans se prendre les murs, en soit prendre le monde au bon moment. Et en pensant à sauter avant de switcher. Ah, j'ai voulu faire l'attaque et elle est pas partie immédiatement. Mais j'ai vu le coffre. Et on y était presque. Je commence à voir le coup de main. Ah, pas de chance. J'ai pas swap au bon moment. Seulement des sous? Oh, je suis déception. Pour un truc comme ça, je pensais avoir un peu plus en fait. C'est pas grave. Au moins, on l'a eu et ça nous a pas pris trop de temps. Ah oui, faut leur envoyer les fruits. Voilà. Ou d'autres ennemis, ça a l'air de marcher. Ça, non, à chaque fois, c'est là, je me prends là. Mais il change de monde en fait, lui. Un peu de PV. Pour être pire. J'ai pas mal de sous. Certes. Là, il y a une autre porte et je ne sais pas ce que c'est.
ça sent le... Ils, sont... ils nous font utiliser en fait un point dès le départ pour nous empêcher. Ça va conduire tout ça. Je vais aller voir un peu plus dans l'arbre. Ok, donc ça c'est un puzzle qui m'intéresse clairement. Ok. Et c'est de la vie supplémentaire. Non, marche arrière. Il suffit d'observer là où il n'y a pas de cube à chaque fois. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ok, faut que j'arrive à sauter, switch et faire le point en même temps. Voilà, comme ça. Là. Ok. Bon, là on n'est pas trop mal. Est-ce que je peux atteindre ça? Non, il me faut un wall jump. Et je suis stupide. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Ça, c'est assuré. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Ok. Le bon sens. Presque. Certes, et alors là, pareil, même problème. Ah, j'ai rebondi sur le mur. C'est dur, dur, dur cette ascension. Attendez, est-ce que je suis stupide? C'est une vraie question. Oui, on peut passer à travers ces plateformes, c'est juste moi qui suis stupide. Je me suis pris le mur. Hop, la sauvegarde. La sauvegarde salvatrice. Et je ne peux pas passer. Je ne peux passer que par là en fait. Ah, il y a de la superposition en fait. Et là, il y a autre chose en bas. Et je vais être obligé d'y aller. Par contre, ici, ce que je peux faire, c'est passer en poulet. Hein, parce que bon. Oh, mais il y a de la place ici. Timer ces trucs.
Et voilà. Je sais pas ce qu'ils arrivent s'ils explosent. Je suppose que je prends beaucoup de dégâts. Mais ce n'était pas un problème. Presque réussi à faire ce qu'il faut faire, je pense. Voilà, ça. Il y a des passages que je laisse derrière moi, hein, mais malheureusement... pourquoi je peux pas monter là-haut pour casser ce bloc? Mince alors. Ah, un nouveau pouvoir peut-être qui va m'aider à ça justement. Tiens, 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 ça faisait longtemps que tu n'avais pas cassé une de mes possessions, Luchador. Cette statue-là se trouvait au pied de l'arbre de Toul. Et il a remonté juste pour me montrer quelque chose. Ah, un double saut. Ça, ça va m'aider. Moi qui me disais il n'y a pas de double saut parce qu'on a le... Parce qu'on a le point comme ça. Non, ça y est, enfin. Ça va vraiment m'aider. Là oui, tout de suite, j'ai accès à des hauteurs un peu plus importantes. Et pour les puzzles, ça va vraiment aussi pouvoir me sauver, je pense. Oui. Simple, hein. Dit-il avant de se toller lamentablement. Ah, oh, pour le wall jump aussi, c'est merveilleux. Ok, ça c'est une question de monde, n'est-ce pas? Je vais pas apprécier ça. Presque. Ok, ça s'est passé. Ce qui fait plaisir. Si je peux la voir. Ah. J'étais beaucoup trop loin et j'ai tout pris tristesse. Donc c'est bien ça, il m'inflige des dégâts au moment où ils explosent. Je note. Un coffre avec des tas de... de pièces du genre. Si je tombe par là, il y a quoi? Y a pas ce que je veux. Je suis un peu triste parce qu'en fait là, le coffre en bas, bah, fallait que je l'atteigne tel quel. Et je l'ai laissé. Du coup, on va y retourner. Tant pis, faudra que je refasse cette ascension. Et donc ça... Ça, c'est possible. Avec le double saut de l'autre côté. Ok, je comprends. Par contre, je dis c'est possible, mais super difficile en fait.
un peu haut. Tard. Ouais, non. Non, j'ai peut-être pas ce qu'il faut pour lui. Peut-être pas. Oh, voilà, l'ascension, ça se passe quand même pas trop mal. J'ai laissé plein de choses derrière moi, je sais qu'il y a du coffre et des trucs comme ça. Et bon. Des choses qui arrivent. J'essaie malgré tout de ne rien rater. Prochain hôtel de sauvegarde, je pourrais peut-être faire un achat avec mes pièces. Comment est-ce que je suis censé faire ça? Ça se complique. Enfin, je dis ça se complique, mais c'est dans le même thème que. J'ai pas vu comment c'était en haut, mais ça avait l'air un petit peu galère. Voilà. Est-ce que je peux acheter des choses? Dans les compétences en particulier, j'ai des sous. Le suplex, le coup de pied. Récupération de sens de Nintenso. Permet de briser tous les boucliers d'un coup de poing. C'est vrai que c'est pas mal ça, briser tous les boucliers en Nintenso. Mais je crois que je vais prendre le booster soit du coup de pied, soit du suplex. Je pourrais prendre les costumes hein, pour les différents styles de jeu, mais j'aimerais finir le jeu pour l'instant avec le costume par défaut. Stupide. Il se casse la figure. J'ai réussi à le choper, c'est dommage. Ça ne touche pas. C'est pas bientôt fini tout ça? Voilà. Bien sûr, je ne tape pas du bon côté. Heureusement que la chute dans le vide n'est pas la mort et létale et instantanée qu'elle pourrait être. Ah. On va y arriver. Je le vois le coffre là-haut. Si vous croyez que je l'ai pas vu, je le vois. Il y a des pistes.
Voilà. Hop, et ça c'est la suite. Un autre statut, un autre pouvoir. Décidément. C'est le luxe ça. Alors, monsieur chèvre, qu'avez-vous à me dire? Rien? Comment ça rien? Tu n'as rien appris du tout. Fais un malin maintenant, parce que tu n'auras rien du tout. Non. Ah, ce jeu qui se fiche de nous. Ouais, mais tu viens vraiment, tout le monde est en train de me dire. Ah, c'est troll. Allez, on redescend tout en bas de l'arbre pour le passage qui nous intéresse. Ah, et on voit tous les niveaux qu'on a dû grimper. Du coup, j'aimerais casser le bas de l'arbre. Voilà. Ça, c'est le bas de l'arbre. Voilà. Et je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Maintenant qu'on a passé l'arbre, j'ai hâte de voir où la suite va nous emmener. Et au pire, je repasserai plus tard pour aller chercher les coffres avec les derniers pouvoirs du jeu, si jamais ces derniers peuvent m'aider. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et je vous revois la semaine prochaine pour la suite de Guacamelee. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.